Bienvenue pour cette pêche avec moi, il est 19h30, là ça pêche depuis à peu près 3 quarts d'heure. Je suis sorti des cours, j'ai chargé ma voiture rapidement et puis je suis venu au bord de l'eau. Donc là on est au bord d'un fleuve de ma région, ça fait un petit moment qu'on pouvait pas le pêcher parce qu'il y avait pas mal de courant et puis il était difficilement pêchable à cette période-là. Là on est début du printemps, mois d'avril, début avril exactement, et les conditions sont parfaites, on a une météo qui est nickel, on a une eau qui est cristalline, elle est complètement transparente. Donc c'est plutôt intéressant à pêcher. Normalement à cette période-là il est en cru et là il l'est pas. Donc je me suis dépêché de lancer une campagne d'amorçage. J'ai fait 4 campagnes d'amorçage espacées de 48 heures. Donc voilà, j'espère bien faire du poisson. J'ai mis à peu près 20 kg de bouillette étalée sur les 4 campagnes d'amorçage. Et j'ai étalé de la Squiddy Pish en 25 mm, 30 mm et puis quelques Crazy Fruits. Donc on va voir. Vu que l'eau est cristalline et que je pêche vraiment très proche du bord, j'ai regardé un petit peu comment évoluaient les amorçages. C'était dévalisé, je me faisais littéralement braquer sur les quelques heures où les appâts étaient là. Donc je pense que c'est une zone où les poissons passent. Il y a un grand herbier, je pêche un grand herbier en fait en plein milieu des taches d'herbier qu'il y a sur une espèce de reculé où le courant est un peu moins fort. Et je pense que les poissons viennent se nourrir ici, donc j'ai quand même bon espoir de toucher quelques poissons dans la nuit. Les poissons sont déjà actifs, j'ai déjà fait un chevesne de beau gabarit. J'espère que je ne me suis pas fait dévaliser par les chevesnes, mais au vu de ce que j'ai observé au fond de l'eau, il y a pas mal de cailloux retournés, il y a des gros grunages qui sont dans le sable, donc je pense qu'il y a de la carpe qui est venue sur mon spot. Donc voilà, j'espère en toucher quelques-unes. Bonjour à tous, la nuit a plutôt été bonne, j'ai réussi à faire quelques poissons, on a fait 4 touches dans la nuit, donc quelques beaux poissons. Je vais vous présenter le plus petit d'entre eux. C'est un poisson qui fait à peu près 11-12 kilos, dans ces eaux là je ne l'ai pas pesé. Un véritable lingot donc, de la rivière, ce que j'expliquais. Des poissons qui sont magnifiques. Pour la plupart, ont jamais vu un seul hameçon de toute leur vie. C'est des poissons qui sont vraiment taillés pour le combat. Des vrais poissons de rivière. Pris avec un doublé de 20 mm en Crazy Fruit. Avec 3 poignées de billes par-dessus. Et un soluble de 6 bouillettes. Le tout boosté à l'élixir. Je vous présenterai tout à l'heure les montages que j'ai utilisés pour attraper ces 4 poissons. Vraiment un magnifique poisson, superbe. Il y a des beaux poissons et des moins beaux, mais celui-ci est vraiment atypique. Allez, on va la remettre à l'eau. Là, c'est la plus belle de la nuit, c'est un poisson qui dépasse les 20 kg. Toujours à la Crazy Fruit en doublé de 20 mm, toujours avec l'élixir, le boosté élixir et 6 bouillettes sur un soluble. Un poisson de l'espace, magnifique, poisson du fleuve, plutôt agacé. C'est le plus gros poisson là, de la série de cette nuit. Le dernier poisson de la nuit, une jolie commune aux alentours des 15 kg. Toujours pris à la Crazy Fruit en double 20 mm. Des couleurs sublimes.
vais vous expliquer un petit peu le montage que j'ai utilisé là pour cette première nuit. Donc vraiment rien de très complexe, hein. c'est des montages qui sont absolument pas techniques. Tête de ligne en 80 centièmes, pourquoi 80 centièmes? Parce que il faut savoir ici qu'on a des fonds qui sont quand même assez escarpés, avec beaucoup de pierres, des pierres vraiment tranchantes, il y a des bois morts, on a des herbiers. Donc je voulais utiliser vraiment des matériaux qui soient vraiment très solides, voire indestructibles. Donc là après, à tous les deux poissons, enfin tous les deux départs en tout cas, je change la tête de ligne parce qu'elle est vraiment, abîmée. Voilà, il vaut mieux utiliser des matériaux solides pour être sûr. Perdre un poisson sur des matériaux qui sont pas assez solides ou pas adaptés, ce sera vraiment très très bête. Ensuite, pour la partie plomb, j'utilise un clip plomb somme toute assez basique, hein, avec un plomb qui fait à peu près 225 grammes. Il y a beaucoup de courant donc, et pas mal de déchets ou d'herbiers qui dérivent. Donc il faut que ça tienne le fond, il faut que ça pêche, quoi. Ensuite, j'utilise une tresse, la tresse Golgot en 60 livres. Pareil, matériau quasi indestructible, donc je préfère assurer le coup avec ce type de tresse. Elle est quand même, c'est une tresse qui est assez grossière, mais pour ce type de pêche, sur des poissons qui ne sont pas éduqués, elle est parfaite. Donc pour rivières, les fleuves et les grands lacs, je trouve que c'est vraiment une tresse au top. Petit contrepoids également, que je mets à peu près à 2-3 cm au-dessus de l'hameçon, avec un hameçon Golgot que j'estime quasi inouvrable, surtout sur des poissons qui sont très très puissants ici. Je vais replacer les cannes pour le coup du soir. Je voudrais vraiment reposer ça propre et puis ajuster un petit peu ma stratégie, notamment en faisant varier les diamètres au niveau de mes éches. Et puis un petit peu les distances aussi. Je pense que je vais essayer de pêcher un peu plus loin. Là, je pêchais dans les herbiers et je pense qu'il faut essayer de pêcher derrière ces herbiers plutôt que dedans. Donc voilà, on va essayer d'ajuster tout ça. J'ai mon ami Olivier qui arrive en fin d'après-midi vers 17-18 heures. J'enlèverai une de mes cannes puisqu'on pêchera à deux cannes. Le poste est assez étriqué, ça sert à rien de charger en montage. Et puis on espère avoir un meilleur rendement que la première nuit et puis des aussi beaux poissons puisque on a quand même une belle moyenne, on n'a pas à se plaindre. La deuxième nuit n'a pas été à la hauteur de la première nuit. Elle nous rapporte seulement un poisson, une petite commune qui faisait fait entre 9 et 10 kilos qu'on a rejeté, on ne l'a pas gardé en sac. Donc bah, c'est plutôt décevant par rapport à la première nuit, par rapport à l'amorçage que j'avais mis en place. Je pensais pouvoir rentrer de nouveau quelques poissons sur la deuxième nuit. Donc voilà, bah c'est aussi ça la rivière, c'est des eaux qui sont extrêmement capricieuses, lunatiques, qui un jour peuvent être extrêmement généreuses et puis ne quasiment rien donner les fois d'après. Et là, la preuve en est, hein, on est tombé pile sur ce type de période. Après, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. On a eu des conditions météorologiques un peu particulières, puisqu'il y a eu une grosse dépression qui nous est tombée dessus en fin de journée avec un orage. Avec un orage et puis beaucoup d'eau. Le niveau d'eau est monté de 20 à 25 cm en l'espace de quelques minutes. Et puis la température d'eau est descendue d'environ un peu plus de 2 degrés. Donc on ne peut pas tirer de conclusion sur les quelques heures qu'on a passées au bord de l'eau, mais il est probable que ça ait quand même bouclé la bouche des poissons et puis qu'elles aient bougé, donc, ou peut-être les deux en même temps. C'est très difficile de tirer des conclusions là, mais bon, c'est ça aussi qui fait le charme de ces eaux là c'est que rien n'est vraiment acquis. Un jour on peut faire un super carton et puis un autre jour rien faire du tout. Voilà, c'est ce que j'aime dans ce type de pêche, c'est au final
c'est que c'est des eaux qui gardent encore pas mal de mystères. Les poissons n'ont pas tous été pris et on sait réellement jamais ce qu'on va faire et ce qu'on a au bout de la ligne. Et c'est ça que moi j'apprécie particulièrement.